Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Alors nous voilà au jour 2 du Mega Poker Series de Vienne. Tu te retrouves à la table avec Vanessa Elwick, qui est championne du monde de 2010. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer un coup contre elle? Non, pas vraiment, parce que bon, on a commencé à une petite heure et j'ai entendu dire qu'elle avait un problème avec son stack de départ. Il lui manque 60 000 et elle est un peu en tilt en fait, pas concentrée, elle suit pas le jeu, donc à cet instant, bon, c'est pas vraiment une grande concurrente quoi. Faudra qu'elle retrouve son calme et qu'elle se concentre sur son jeu, sinon elle va perdre tout son stack. Il lui reste 200 000, donc bon, y a pas de stress quoi. C'est vrai que c'est malheureux, mais bon, je pense qu'il y a eu une faute hier soir en mettant ses jetons dans le sachet, parce que bon, elle l'a fermé elle-même et ce matin j'étais à table quand elle l'a ouvert, donc moins qu'elle ait mal compté, je sais pas où est le problème. Elle est vraiment utile, donc à cet instant rien de spécial quoi. Quel est ton stack à toi pour le moment? Je joue 210 000 à cet instant. Hier j'ai une journée assez dure. En début de journée, comme je vous ai dit, je me suis directement retrouvé à une table assez explosive, parce qu'il y a monsieur aussi de 4 qui a doublé son stack en 3 coups. Et là, il a pas arrêté d'ouvrir les mains, quoi, mais il les ouvre 10 fois la blinde, 15 fois la blinde. Et comme il y avait encore 2 qui n'arrêtaient pas de coller, ouais, c'était la misère les premières heures. Je pense que j'ai commencé à jouer ma première main au niveau 6. Donc là, j'étais à 60 000 et à partir de ce moment-là, le jeu s'est calmé. Et là, j'ai pris le dessus. J'ai ouvert beaucoup de mains, j'ai joué fort agressif. J'ai gagné les coups que je touchais au flop. Et j'ai gagné les coups que je bluffais aussi. Donc j'ai eu un peu de chance en fin de journée quoi. Donc je suis monté de 70 à 210 et maintenant j'espère encore doubler mon stack avant ce soir.